Alors voilà pour notre page Facebook. Maintenant, une prochaine invitée, notre prochaine chroniqueuse, il s'agit de Marie-Josée qui travaille à l'Union paysanne. Bonjour Marie-Josée, de quoi tu vas nous parler? Bonjour Nadia, merci de me recevoir ici ce soir. Je suis plus à titre de militante dans la ville de Québec, disons, mais en même temps, par souci de transparence, je tiens à souligner que je suis les dossiers agricoles de près en tant que coordonnatrice de l'Union paysanne. Tu connais ça. Quand même. Qui est un organisme là, qui défend un autre modèle d'agriculture au Québec qui serait plus axé là, sur l'agroécologie puis la souveraineté alimentaire pour faire ce cours. Donc, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est je voulais vous parler d'alimentation et d'environnement. Depuis quelques semaines et même quelques mois, on entend beaucoup parler de la place de l'industrie agrochimique dans les médias de masse et tout ça qui sont présents dans les centres de recherche en agriculture au Québec. En fait, depuis mai, tout ça a commencé en mai 2017, il y a eu énormément de démissions au centre de recherche sur les grains, qu'on appelle le CEREUM. En fait, il y a 15 employés, dont 7 chercheurs, sur un effectif de 35 employés qui ont remis leur démission. Il est où ce centre de recherche sur les grains? Le centre de recherche en tant que tel, je ne sais pas s'il est à Québec ou à Montréal mais c'est un centre de recherche national. Quand même national, là, oui, sur les grains, qui est financé en grande partie par nos deniers publics, c'est-à-dire par le ministère de l'Agriculture, le MAPAC. La raison de cette démission-là, c'est qu'il y avait apparemment sur le conseil d'administration une grosse pression pour empêcher la publication de 2 études scientifiques dont la conclusion était que dépendre autant de pesticides que ce qu'on fait actuellement dans nos champs, c'est pas forcément rentable. Le rendement des cultures est pas au rendez-vous. On ne fait que polluer nos sols et polluer nos cours d'eau. Des recherches qui ne disaient pas seulement, comme d'habitude, c'est mauvais pour la santé, mais même économiquement, c'est épouvantable. Ce qui arrive, c'est que sur le conseil d'administration de cette instance-là, il y a monsieur, entre autres, Christian Overby, qui lui est président de la Fédération des producteurs de grains du Québec et qui est président du Centre de recherche sur les grains, donc du CEREUM, et lobbyiste enregistré pour alléger la réglementation sur les pesticides. Donc, on a un conflit d'intérêts absolument flagrant. Ça, c'est la petite mise en contexte. C'est sorti l'an passé, en 2017, puis à l'automne 2018. On en a entendu parler quand même relativement beaucoup dans le milieu de l'agriculture. Mais ce qui a fait que les médias de masse se sont intéressés à ça de plus en plus, c'est que le 24 janvier 2019, il y a eu le renvoi de l'agronome Louis Hébert, qui était un agronome indépendant au MAPAC. Je dis indépendant parce que là, suite au renvoi de l'agronome Louis Hébert, on s'est rendu compte que beaucoup d'agronomes au Québec étaient payés par des instituts, par des vendeurs, par l'industrie des pesticides. Par le privé, bref. Par le privé, exactement. Donc, on peut se demander quel est le lien entre l'industrie, la recherche et le MAPAC. En fait, M. Louis Robert, ce qu'il a fait, c'est que suite aux conclusions du CEREUM, il a vu ce qui s'est passé au CEREUM, il a alerté les instances au MAPAC, ses supérieurs, rien n'a bougé. Donc, après plusieurs mois, il s'est dit, je vais lancer ça dans les médias. Donc, il est considéré par plusieurs comme un lanceur d'alerte. Il a fait ça pour la santé de la population en général, pour le bien public. Puis, on se rappelle que c'est des recherches financées par nos impôts. Donc, Louis Robert a perdu son emploi suite à ça au MAPAC. Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées suite à ça. Suite à ça, donc justement, il y a à Radio-Canada un journaliste qui s'appelle Thomas Gerbeck qui, lui, a fait un petit peu a répertorié plusieurs centres de recherche en lien avec l'agriculture pour voir c'est qui sont sur les conseils d'administration de ces centres de recherche-là. Donc, le Centre de recherche du port du Québec, la production ovine, il y a un centre de recherche de développement et de transfert de technologies acéricoles pour le sirop d'érable, un centre d'expertise en production laitière, Valacta, au Québec. Tous ces centres de recherche-là, on s'est rendu compte que la grosse majorité des sièges sur le conseil d'administration sont occupés par l'industrie agrochimique. La majorité des sièges. Pas des sièges dans tous les conseils, mais la majorité. La grosse majorité. Les rares fois qu'il y a quelqu'un du MAPAC qui est présent au conseil d'administration, il n'a qu'un rôle d'observateur. Il n'a même pas le droit de vote. Donc, aucun représentant des consommateurs non plus. La majorité n'ont pas de représentants. En fait, il y a seulement Valacta qui a des représentants universitaires, deux chercheurs universitaires.
universitaires. Sinon, ce n'est que des gens de l'industrie. Et souvent, il y a deux, trois personnes qui sont des gens enregistrés comme lobbyistes auprès de l'industrie pétrochimique. Donc, effectivement, ça pose beaucoup de questions sur l'indépendance des recherches qui sont faites dans ces instances-là. Puis, encore pire que ça, c'est qu'on se rend compte que non seulement on met trop de pesticides pour pas nécessairement plus de rendement, mais on s'est rendu compte aussi qu'au Québec, on met trois fois plus d'engrais, par exemple, qu'en Ontario, jusqu'à six fois plus que dans plusieurs régions aux États-Unis. Effectivement, pourquoi? On s'est rendu compte aussi que les rendements ne sont pas là. Les rendements sont pas supérieurs au Québec qu'ailleurs. Mais les vendeurs d'engrais sont plus heureux. Mais les vendeurs d'engrais sont plus heureux. Puis les vendeurs d'engrais, ils sont là. Les vendeurs de pesticides et les vendeurs d'engrais, évidemment, bon, c'est les mêmes, c'est la même industrie. On a l'Association professionnelle en nutrition des cultures qui a un comité mandaté par le gouvernement pour les recommandations de fertilisation qui compte deux représentants de la coop fédérée sur son comité. La coop fédérée au Québec, c'est le principal vendeur de pesticides et d'engrais au Québec. Donc, on peut effectivement se poser beaucoup de questions sur cette indépendance-là. Monsieur Robert a aussi publié un article qui nous montre que en 1994 et 2003, il n'y avait pas de représentant de l'Association des fabricants d'engrais du Québec, qui était à l'époque nommé comme ça, n'était pas sur ce comité de recommandation-là. Et c'est l'époque dans l'histoire du Québec où on a eu, dans l'histoire récente, moderne du Québec, où on a eu le moins d'engrais épandus dans nos champs. Donc, le lien de corrélation est quand même très, très fort. On peut dire en conclusion que les centres de recherche québécois qui sont liés à l'agriculture devraient forcément être reliés au MAPAC. En fait, avant, la recherche se faisait au sein du ministère. Donc, on avait une indépendance des chercheurs. Là, je dis indépendance des chercheurs. Encore faut-il que si les chercheurs et chercheuses soient indépendants dans le cadre du MAPAC, parce que le MAPAC aussi, à l'interne, souvent on dit, ah, tu sais, c'est juste, on se fait dire, nous, à l'Union paysanne, on se fait dire que le MAPAC est appelé le MUPAC, le ministère de l'Union des producteurs agricoles du Québec, qui est très proche de l'industrie aussi. Donc, à quel point le MAPAC exerce son rôle de leadership qu'il devrait exercer en tant que gardien de la santé de la population, de la santé de nos sols, de la santé de nos cours d'eau. Puis, j'ai quasiment le goût de me gâter avant de vous quitter en vous parlant, en vous disant... Récemment, on a adopté au Canada une loi qui permet la production de saumon OGM avec une grosse usine à l'île du Prince-Édouard. Et il n'y aura aucun moyen de savoir si le saumon qu'on achète à l'épicerie, si le saumon qu'on commande au restaurant est OGM ou pas. Donc, au niveau de notre alimentation, notre santé est en danger ici au Mais Québec. Mais dans les règlements sur la traçabilité, puis tout ça, ce saumon-là, il va frayer à travers tout ça? On n'a aucun moyen, aucune traçabilité possible, puis aucun étiquetage obligatoire. J'ai-tu le droit de dire arc? Okay, c'est oui. Vraiment pas propre, tout ça. Effectivement. Allons en musique.